Et salut à tous et salut à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle série en solo. On se retrouve donc sur la map Captive Minecraft, qui est une map donc assez singulière parce qu'on est sur un seul bloc, au début du moins. Et ensuite on évolue un petit peu en fonction des achievements que nous allons réaliser. Alors vous allez voir, donc vous avez donc bien sûr les achievements que vous connaissez. Et la map a bugué puisque du coup j'ai déjà Taking Inventory. Ah voilà. Donc j'ai Taking Inventory. Donc vous voyez que maintenant la barrière s'est augmentée d'un petit peu. Donc je peux aller jusqu'à ce bloc-là. Et donc du coup maintenant je peux réaliser le deuxième objectif, qui est donc récupérer du bois. Donc dès que je vais avoir récupéré ce bois, voilà. Donc j'ai réalisé l'objectif avoir du bois. Donc du coup je peux maintenant la voie de barrière s'est donc augmentée. C'est une aventure qui va se dérouler donc sur une petite zone, vous le voyez. Vous voyez qu'il y a des coffres au fur et à mesure auxquels on avance et donc on va devoir réaliser les objectifs du jeu. Donc là je sais que le prochain objectif du jeu c'est créer une table de craft. Donc on va faire ça. On va essayer de récupérer s'il y a des trucs qui... What? Il y a une vache qui a spawné comme ça. Bonjour. Bah ça m'arrange. Toi tu vas rester là par contre. Tu peux pas te pousser un petit peu? Voilà. Je vais me créer une épée. Donc time to strike. Et ça va être pratique. Comme ça je vais de suite réaliser aussi l'objectif parce qu'il faut tuer une vache, je crois. Co-Tripper, un truc comme ça je crois, l'objectif. Donc voilà, là on réalise les objectifs de base et on va devoir aller jusqu'au dernier, je pense, objectif. Je pense que la map est faite pour qu'on puisse aller donc jusqu'au dernier objectif. Là, faire de la repopulation. Ah, quand les cochons auront des ailes, peut-être. Quand les cochons voudront, peut-être que ça va pas être facile. Aussi, sniper duel, ça risque d'être pas facile. Ça aussi, ça risque d'être chaud. Et avoir peut-être le bon, bref, on va déjà tuer cette vache et récupérer du cuir, nickel. Nickel, nickel, nickel. Parce qu'on aurait pu ne pas récupérer du cuir aussi, ça aurait été assez chiant. On va faire donc time to mine et time to farm. Comme ça au moins on va augmenter encore de deux notre petit espace. On va même faire time to get in an upgrade. Alors on va commencer à creuser parce que je pense que... Ah, ça fait aussi spawner des trucs. Alors quand on récupère des objectifs, ça a fait spawner une vache tout à l'heure. Maintenant ça a fait spawner un poulet. J'aurais peut-être pas dû tuer la vache alors. J'aurais peut-être dû la garder en fait. Bon, il va y en avoir d'autres qui vont spawner. Forcé. Par contre, un truc qui va être chaud, c'est si si le truc il lâche pas de sapling. Tu vas lâcher une sapling quand même. Oui, nickel. Je vais pouvoir replanter l'arbre. Et aussi en profiter pour faire donc getting an upgrade. Il me faut encore un peu plus de... Et on voit le sapling glitcher là aussi, c'est chelou. D'ailleurs, je ne l'ai pas récupéré. Ah, hop. Time to farm. Hop. Là, attends. Je l'ai planté, non, je l'ai planté, ok. Voilà, donc time to farm et ça n'a pas fait getting an upgrade. Eh ben c'est pas grave, je vais refaire une pioche en pierre, tant bien ça marchera. Getting an upgrade, voilà, donc j'augmente encore ma world border. Et il y a une. Ouais, c'est ça fait spawner des animaux. J'ai pas accès au coffre encore. Ok, donc c'est à savoir que c'est en bêta, en snapshot, je sais plus combien, mais la snapshot de la 1.8. La snapshot de la 1.8, c'est la... Normalement c'est pour la 18B ou plus, mais j'ai essayé avec la 33B, ça marche pas. Je sais pas d'où ça vient en fait. D'ailleurs j'ai enlevé ça. Voilà, j'ai essayé avec la 33B pour avoir plus de performance parce qu'ils avaient réglé quelques soucis de performance, mais bon, ça marche pas, tant pis. Je me suis pas embêté, donc je vais laisser le cochon ici. Je vais continuer à descendre, il doit y avoir quelque chose en dessous parce que... Alors, attendez, juste pour savoir, il reste juste un achievement à faire pour avoir... pour avoir Hot Topic. Ben voilà, on va faire Hot Topic, comme ça au moins on va récupérer le... Comment ça s'appelle?
Le coffre qui était juste de l'autre côté. Oh, il y a peut-être des choses intéressantes dedans, genre du fer. Ah, il y a déjà du granit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ces nouveaux blocs là dans la version 1.8. Je suis pas fan, à part peut-être de l'andésite, des blocs. Oh, après, on peut faire des nouveaux trucs qui sont. Ouais, c'est ça, il aurait fallu que je garde la deuxième vache en fait. J'ai pas été très malin là-dessus. Quoi que vous me direz, pour faire repopulation, faut tuer une vache, donc forcément, c'est que il fallait la tuer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un string, une patate empoisonnée. On va garder le coffre ici en fait. Ça, on garde là, parce que ça va nous servir à faire des lingots d'or pour faire la pomme oversheet. Le bois, je vais le laisser là. J'ai quelques soucis avec cette souris. J'ai une souris qui est assez bizarre. Alors, soit vous me laissez le. Ouais, je pense que je vais aller chercher l'autre souris. Parce que je suis sur mon ordi portable. Je vais chercher l'autre souris, je vous reprends de suite. Ok, recoucou tout le monde, on se retrouve donc un tout petit peu plus tard. J'ai changé de souris, ça va beaucoup mieux maintenant. Hein, c'est comme quoi ça change tout. Bon, bah pour le moment, j'ai rien à faire chauffer. Là, il y a de la canne à sucre. Je regarde un petit peu aux alentours ce qu'on pourrait récupérer. Alors là-bas, il y a un coffre, c'est pour beaucoup plus tard. Je pense qu'il va falloir descendre et qu'en dessous, on trouvera notre bonheur. Parce que normalement tout est réglé pour qu'on puisse avoir. Alors, je sais pas si. Ouais, je suis déjà en bright. Chiant ça. Écoutez, je vais essayer de faire chauffer peut-être un bois, une bûche, pour que vous faire des torches. Ça pourrait être sympa. Est-ce que j'en ai une de bûche déjà? Oh là. Une grosse grotte en dessous, oui. Il me reste une bûche. Ah bah il y a un arbre qui vient de pousser. On va couper cet arbre. Et on va faire 2-3 petites charcoal. Vu qu'on a un peu du bois fini. Alors pour le moment c'est une grosse. C'est une grosse animalerie en haut pour le moment. Hein. C'est pas vraiment ce que j'aurais espéré. Parce que moi j'avais commencé avec la version numéro 2 de Captive Minecraft. Donc vous savez déjà que je vous ferai la 2 si la première vous plaît. C'est en fait la 2 se passe pas de la même manière. La 2 est plus tendue, j'ai l'impression, parce que. Déjà, on est tendu niveau ressources, notamment niveau bois, parce qu'on n'est pas illimité en bois jusqu'à un certain moment. Mais n'empêche que pendant un long moment, on peut s'arrêter brutalement parce qu'on perd tellement notre stuff que ça en devient difficile. Parce que en fait, rien ne spawn en dehors des limites, et donc ça fait qu'on a un gros spawn rate en dessous qui est juste trop trop fort et que ça devient vite. Vite, vite le bordel. Il y a une poule qui a pondu un œuf. Je sais pas où elle a pondu. Elle est où cette conne? Elle est pas descendue j'espère. Non? Bah, elle est où? Je sais qu'il y avait deux poules. Il y en avait une qui était au plafond et une qui était. Elle est passée où? Ah là! Elle est pas pondue. Elle est où? Il est où son œuf bordel? Ah il y a trois poules même. Ah bah il est là. Hop. Merde! Quel con! Je croyais que ça allait s'arrêter contre la barrière. Alors, le charcoal, oui. Ah oh merde, mais j'ai plus de. J'ai plus de. Ah si, j'ai du bois encore. Hop. Mais j'ai un stick là, c'est bon. Je vais refaire suffisamment de torches pour que vous y voyez quelque chose. Donc, tac, tac. Ça suffira. 12 torches. C'est parfait. Je vais prendre la table de craft en bas, comme ça, si j'ai besoin de me faire quelque chose. Je pense que je vais prendre la table de craft et le four même. Comme ça au moins j'aurais pas besoin de. Hop, je pose une torche ici. Alors de l'andésite. C'est de l'andésite ça ou du granit? Je sais plus. C'est pas très très grave. C'est pas forcément grave parce que je pense qu'on n'a pas la place pour se faire une maison dehors. Donc il va falloir se faire une maison. Ouh, j'entends une araignée. Une araignée et une chauve-souris. Alors. Chauve-souris m'inquiète moins. Je vais peut-être me faire une épée en pierre, non? Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je vais faire ça. Ouais, j'ai de quoi te faire. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais récupérer la table de craft. Tac. Hop. Et là. Donc, j'entends une araignée. J'aime pas trop ça, je vous avouerai. Donc. Tac. On continue à descendre. On va continuer à descendre. Bon, jusqu'à là, tout est ok. Ouh. Écoutez, écoutez le bruit que ça fait. Mais mon dieu. Alors ça c'est de la diorite.
si je me trompe pas. Non, du granit. Alors c'était quoi? Ah oui, la diorite c'est la blanche, ok, d'accord. Andésite c'est la noire. Ouais, il y a trop de mobs là. Oh, écoutez, écoutez. Mais c'est juste horrible. Ils sont partout en plus. Alors là, j'atteins la warp border. Il faut continuer à descendre. Alors attends, c'est peut-être parce que le son est super fort en fait. Et que j'entends les trucs de plusieurs étages. Hop. Non, en fait non. C'est ça qui m'inquiète en fait. Ah, de l'eau déjà. Je vais mettre de la lumière. On va voir si je vois des bulles. Alors ok, je vois un zombie. Je vais descendre. Alors attendez, il faut que je me fasse un escalier pour descendre. Tac, tac, tac. Donc je peux remonter par là, nickel. Ici, non, je peux pas casser là. Alors je vais casser ici. Je vais passer par là. On va essayer de descendre tranquillement, doucement, pour pouvoir rester en sécurité parce que là, la mort c'est quasi fatal. Alors je vais juste bouger. La torche de place. Qu'est-ce que je vois? Je vois un archer déjà. Je vois du fer. C'est intéressant de voir du fer. Là, il y a l'araignée. Alors, je vais pouvoir tuer l'araignée. Rapproche-toi. Viens là. Viens là. Oh putain. Alors, je vais descendre un poil. Ok, j'ai pu récupérer déjà là. Oh le salaud. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais ils sont malades. C'est des grands malades dans ce truc. Ils sont... c'est des fous. Et ils ont cru sérieux que j'allais pouvoir battre tout ça, moi. Alors, attendez, je vais essayer de les prendre en fourbe. Alors, déjà, je vais me protéger parce que... Vous voyez, c'est le genre de problème que je vous disais, là, il faudrait qu'on puisse baisser le... Hop, hop, hop. J'ai eu l'impression de voir une araignée. Ok, non, 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 très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. J'ai vu une witch aussi, donc... Alors, comment descendre en sécurité là? Non, là, c'est pas sécurité du tout, hein. On va éviter. Donc voilà, le but, ça va être de réunir la plus d'objectifs possibles, et dont l'objectif suivant est d'avoir du fer. Alors, juste, on est à quelle couche de hauteur, là? La couche 34, ok. Ok, très très mauvaise idée, très très mauvaise idée, dégagez, voilà, merci. What? Ouh, j'aurais dû, je vais me faire chauffer mon... Mais what? Mais tu m'as eu d'où là, salope? Je me reculais. Mon dieu, j'ai peur. Je me suis fait empoisonner par la sorcière, mais à travers le truc. C'est très fourbe quand même, une sorcière, hein. Alors, on va faire chauffer du bois que je n'ai pas. Donc, on va faire chauffer ça comme ça. Voilà. De toute façon, j'ai pas grand-chose de très intéressant. Bah, du bois, mais... Pff, tout ce qui est vraiment important, je l'ai posé, sauf peut-être le cuir qui aurait pu nous servir à autre chose. Je vais juste essayer de... Voilà, prendre un de bouffe. Oh, je peux manger la patate empoisonnée à la limite puisqu'elle m'empoisonnera pas plus que ce qu'elle y est déjà quoi. Oh, d'accord, ça m'a rendu rien en fait. Ah mais oui, battez-vous, c'est une très bonne idée aussi. Là je fais... Ah, l'attaque! Ouais, j'ai réussi Monster Hunter et j'ai récupéré un arc. C'est une très bonne nouvelle ça. Oh oui, en plus il est bien, bien, bien... non, par contre... Alors, je vais mettre la pioche ici, l'arc là, les torches ici, la bouffe pas loin non plus, et voilà. Bon, je peux les avoir d'ici. Alors, il va falloir sécuriser, mais le seul problème c'est plus on va sécuriser, plus il va y en avoir en bas ou quoi. Ok. Alors c'est pas facile, heureusement qu'ils sont en train de s'entretuer un petit peu. Mais regardez moi ça. On va poser une torche. Bonjour. Pour éviter que ça respawn un petit peu. Et je fous des dalles partout aussi. Alors. J'ai récupéré les flèches? Non même pas. On a juste là. Oui mais tirez-vous dessus, c'est une très bonne nouvelle ça. Je vais essayer de faire attirer un creeper aussi. Bonjour.
Aïe. Bonjour. Bonjour. Ils sont tous bloqués dans l'eau. Oh putain, elle est pas passée loin celle-là. Salope. Oui, crève. La sorcière crève. Non. Et j'ai dit crève. Mais elle veut pas crever. Elle est invulnérable. Mon dieu. Je sais pas si c'est moi qui la touche en fait. Ah, attendez, il me faut des blocs aussi. La faune ne sert peut-être à rien en fait. J'ai récupéré une flèche. Est-ce que ça suffira pour tuer la sorcière? Ah bah non, c'est bon. Ils vont s'entretuer. Je crois qu'elle est invulnérable cette sorcière. Ah, attendez, je vais essayer de la prendre en sous-marin. Genre comme ça là. Bonjour. Bonjour. Non mais elle veut pas crever. La sorcière invulnérable, le titre de l'épisode. Ah. Bon, je suis bien dans ma grotte. Mais bon. Mais bordel, elle a glitché ou quoi? Coucou. Ah mais elle me jette des potions de dégâts en plus. Je me recule un petit peu. Parce que là j'ai pris ma chair avec la potion de poison. Je vais essayer de passer par là. Ouais mais c'est bon le poison, combien de temps le poison? Encore 12 secondes, putain mais au moins il m'a bien défoncé quoi. Okay. Alors, on va pas prendre de risque pour le moment. On va rester là. Voilà, j'ai plus de poison, je vais attendre me regène un peu. Par contre j'ai plus de steak. Oui, battez-vous, c'est une très bonne idée. Non par contre la sorcière invulnérable c'est un petit peu chaud tu vois. Bon, au pire si elle devient vraiment une vulnérable, je passerai en peaceful juste pour la faire despawner. Y a rien à part une chauve-souris là-haut. Ah. Et une araignée. Voilà. Alors déjà l'araignée elle crève. Ensuite. Ouais alors écoutez, je vais passer en peaceful. Juste le temps qu'elle despawn, voilà. Parce que vous avez bien vu les nombres de dégâts que je l'ai mis. Mais elle n'a rien pris. Alors, hop, je vais mettre de la lumière ici. Il y en a un qui crève noyé, j'ai l'impression. Alors, je vais mettre de la lumière un peu partout parce que j'ai pas trop envie que ça respawn. C'est derrière ce mur, ok. Il doit y avoir de la lave derrière ce mur. Non, loin d'ici. Non. Il crève asphyxié dans les murs, alors. Tant mieux. Tant mieux, ça m'arrange. Alors, on va pouvoir donc récupérer un peu de charbon pour pouvoir faire chauffer notre fer qui est aussi par terre, là. D'ailleurs, je devrais en récupérer avant que... Quel est ce bruit horrible? Bon. Avant que ma pioche casse. On récupère un minimum. Je vais remonter ensuite. Ah là, elle a cassé. Est-ce que j'ai des bâtons? J'en ai qu'un. Donc je vais devoir remonter, je remonte. Et après je vais redescendre. Alors on va déjà voir si les arbres ont poussé pour pouvoir récupérer les pommes. Bon, mais déjà on a sécurisé à peu près. Alors par contre il faut sécuriser à max les escaliers parce que sinon ça va spawner dedans, ça va être horrible. Chaque fois qu'on descend il va y avoir un creeper, ça va nous péter à la gueule. Alors juste, je vérifie un truc. Je ne suis pas en créa. Alors. En aller au shit. Hop. Je vérifie juste la game rule. Je me rappelle plus. Mob griefing. Voilà. True. Je vais le mettre en false. Pour la simple et bonne raison que si justement il y en a dans les escaliers, qu'on n'a pas le temps de le voir, ça fasse pas exploser le... il puisse pas exploser l'escalier, voilà c'est tout. Après ça change rien foncièrement au gameplay, ça me désavantage même un petit peu parce que les creepers auraient pu faire exploser un petit truc intéressant. J'ai récupéré des os, non? 8, pour pouvoir faire pousser du bois. Génial. J'ai récupéré deux arcs aussi. Non, il veut pas pousser. Ah, il était pas placé au bon endroit en fait. Il y a un endroit où il a poussé, c'était là tout à l'heure.
What? Ah, il est là. Alors. Il a poussé ici tout à l'heure. Donc il va bien repousser. Hop. Regardez un petit peu des zoos, on sait jamais. Au cas où il y a des chiens qui spawnent. Ah là, on va pouvoir récupérer un peu de bois là. C'est bien comme ça. J'aurais me faire une hache d'ailleurs. Quoique ça sert à rien en fait. Je vais donc me refaire une pioche. Aller chercher le fer et on va s'arrêter quand je l'aurai fait cuire. Comme ça on aura fait pas mal d'objectifs déjà. Bah, j'avais déjà du bois un petit peu. Je vais pouvoir poser un petit peu de cailloux en réserve. Je vais en garder un peu. Regardez, je vais poser la diorite et la granite, ça sert à rien. Enfin, pour le moment, j'ai pas l'idée de quoi ça va servir. Là où, pour le moment, on n'a pas pu récupérer de l'eau, donc ça va pas me servir. Le charbon, je vais m'en servir un petit peu pour refaire des torches et faire cuire le fer. Non, faire cuire le fer, je vais utiliser du bois. Ouais. Je vais poser donc la table de craft, je vais me faire refaire une pioche et on va redescendre. Voilà. Là, je vais m'en faire deux même. Parce que maintenant on a du bois à l'infini. Voilà, je vais laisser le bloc de quartz pour bien montrer où... pas où est l'entrée de la...